Beurre FM. 6h-9h, la matinale avec Kim, Mona et Waïd. Good morning la France! Bonjour l'équipe! Comment va la plus belle? Bah, elle va très bien. La plus belle. Tendre. Oui. Mais quel soin, qu'est-ce que t'es belle. On dirait un Cédric qui marche. T'es magnifique. Ça va le disque, Joker? Ça va. Mon frérot Wahid, ça va? Check-moi ça, le plus beau, le plus frais. Alors les amis, c'est la semaine des bonnes nouvelles. Les bonnes nouvelles, t'as vu que là on a eu le calendrier du déconfinement. Hein, je sais pas si vous avez vu, mais le 19... Mais ils vont ouvrir les parcs d'attractions. Ouais. Mais pas les attractions. C'est vrai. Ben oui, mais faut comprendre parce qu'il y a qu'en France ça. Ils ont ouvert plein de vaccinodromes, hein, mais il n'y a pas de vaccin. Hélas. Et j'ai une autre bonne nouvelle. Ma femme va commencer un régime. Alléluia. Et en plus de ça, je lui ai acheté une gamme complète de Wet Wet Shirt, tu vois. 3 mois de régime. Et qu'est-ce qu'elle m'a fait cette bagra? Elle me l'a bouffé en 2 jours. Oh non. Mais je lui dis, chérie, biba. Je connais comment je l'appelle. Amré, tu vois. Elle m'a dit, mais c'est trop bon, la bouche pleine, dit-elle. En tout cas, je t'embrasse pas, mon amour. Et quelle bonne nouvelle cette semaine. Oh là là, j'en ai pas dormi de la nuit. Un élu accuse Éric Zemmour d'agression sexuelle. Enfin, il est dans le collimateur à Tchmej. Enfin, je me disais bien qu'il était chelou. Hein. Parce que déjà, à la base, Zemmour, on est d'accord, il a une vraie tête de Dixon. Excusez-moi. Imagine-le, parce que nous on le voit à la télé, c'est news et tout, mais imagine-le avec sa tête de fouine, rencontrer-tu une femme. Bonjour mademoiselle, vous voulez que je vous raconte l'histoire de France? Non mais je te jure, il est une tête. Après, ça reste qu'un homme, tu vois, parce que je sais qu'il prend un énorme plaisir déjà à cartonner les musulmans, tu vois. Et écoute la blague, Kim. Il souhaite se présenter à la présidentielle. Ouais. Mais MDR, Eric. XPTDR, Eric. Mais t'es un ouf. Par contre, tu me diras, il a les qualités pour être ministre de l'Intérieur. Hein. Hashtag Darmanin. Oh. Bill Gates et Melinda Gates ont annoncé leur divorce cette semaine. Tout le monde connaît le fameux Bill Gates. Hein. Bill Gates et Microsoft, c'est une fortune de 127 milliards de dollars, tu vois. Et une rupture qui met fin à 27 années de mariage. Tu vois, Bill Gates, ce fameux fondateur de Microsoft Internet, quoi. Tu connais Internet. Et apparemment, bah, la dernière mise à jour de leur couple n'a pas marché. Et le couple, bah, tu vois, ça ne se redémarre pas. Hein. C'est comme quand il y a un bug. Donc, pas d'autre choix que de mettre fin à leur système d'exploitation. C'était le même, mais c'est pas grave. C'est les aléas du direct, j'adore. Et Bill Gates, pour info, tu vois, comme je vous le disais, détient une richesse de 127 milliards. Et j'espère pour lui que Laetitia Hallyday ne viendra pas réclamer ça. Comme d'habitude. Non, non. Parce qu'il est encore vivant. Attends qu'il meure, Laetitia, et viens nous raconter des choses. Le président chinois, Xi Jinping, tout le monde connaît. Ouais. Xi Jinping. Hein, a fait un communiqué Xi Jinping. Calme-toi, hein, parce que pour ses chaud. Compatriotes restaurateurs en France, lui qui affiche des grandes ambitions pour son pays, hein, et qui compte plus d'un milliard d'êtres humains, dont la moitié à Paris 13e, qui vont bientôt demander leur indépendance, là, c'est en cours, et l'autre partie à Aubervilliers. Et face à cette crise sanitaire, il souhaite soutenir les restaurateurs chinois en France, hein, et je vais vous traduire son communiqué, vous inquiétez pas, j'ai fait LV2 mandarin, on se calme. Donc voilà, je vous retraduis son communiqué. Alors il va falloir halaliser tous les buffets à volonté. Tous les menus B14 seront remplacés par le B13 parce que ça sonne mieux. Désormais, il y aura des musiques de rail dans tous les karaokés. Et désormais, les hot dogs seront réalisés avec des chats. Car il n'y a plus de chien en Chine. Oh non! Désolé, il n'y a plus de chien en Chine. Oh non, non, non! Et pour terminer. Et on va enfin vous dire ce que nous mettons dans les NEM, la vérité. Oh non! Et sinon, t'as la Russie, hein, pas plus loin.
Et je ne sais pas si vous avez entendu la dernière allocution de Vladimir Poutine, mais ce mec-là, c'est un génie. Il s'est adressé à tout son peuple, il n'a pas de concurrent direct. Bon, je vous fais le générique, hein. Moi, Vladimir Poutine, très content de gagner encore 1 000 ans au Kremlin. Grâce à précieux conseil de mon ami Abdelaziz Bouteflika, qui m'a dit il faut jamais lâcher affaire, surtout le pouvoir. Et gros bisous à tous adversaires de moi qui ont accepté cadeau empoisonné de moi. Moi, Kremlin, eux, cimetière. Oh non, non. Et comme chaque semaine, on a des informations croustillantes, toutes chaudes qui nous sortent du four, qu'on appelle le ça sort du four. Jingle, ding, ding, ding. Ligue des champions. Manchester City a foudroyé le PSG. Tout de suite retweeté par Nasser El Khelaifi. Salam. J'ai confirmé que Mahrez ne fait pas le ramadan. Il a prouvé avec le match. Il courait trop beaucoup et il n'est pas fait ramadan. Je salue Riyad. Voilà, tu ne fais pas le ramadan, c'est pas gentil. Il n'est pas gagné, il n'est pas les buts, les champions. Mais alhamdoulilah, Riyad, il n'est pas le ramadan. Arrête. Cette semaine a eu la célébration du bicentenaire de la mort de Napoléon. Tout de suite retweeté par Brigitte Macron. Quel élève formidable. Je l'ai eu comme élève déjà tout jeune, il aimait la bagarre. Non, je ne pensais pas qu'il en ferait carrière et qu'il deviendrait empereur. Non, bonjour à Madame Macron. Oui. Le calendrier du déconfinement enfin annoncé par Emmanuel Macron, tout de suite retweeté par Nabila. Mais c'est trop cool. À partir du 30 juin, tout est fini. Et bien à partir du 30 juin, on pourra refaire du ski. C'est trop cool. Au Mali, une femme qui s'attendait à avoir des septuplés accouche de 9 bébés. Tout de suite retweeté par la CAF. Les calculs sont pas bons. Mais bon, Alhamdoulilah, c'est pas en France. Les amis, ne laissez jamais le monde changer votre sourire, car c'est à vous de faire sourire le monde. Je m'appelle Nounours. Bravo Nounours, bravo. Beurre FM. 6h-9h. 6h-9h. La matinale avec Kim, Mona et Waïd.